j'aime bien Alain Désir, qui est plutôt un bon parlementaire, mais la politique française a ceci de terrible que dès que nos amis et collègues socialistes sortent du Parlement européen et qu'ils se retrouvent à Paris, ben, ils ne savent plus où ils habitent et ils tiennent des discours, ils sont absolument incohérents. Je suis évidemment, j'ai quitté le PPE, donc je sais d'où je viens. Je suis dans un groupe du centre et je suis, il a surtout dit que nous soutenions M. Barroso, ce qui est complètement faux. Alors je ne veux pas qualifier ça, je n'ai pas envie de polémique avec Harlem Désir. Je n'ai pas voté pour Barroso il y a 5 ans et j'appelle franchement un autre président de la commission. Et je trouve qu'on ferait mieux de s'occuper des problèmes de fond, de ce qui est devant nous pour les 5 années qui viennent, plutôt que de... C'est même pas des polémiques, là. C'est absolument... C'est n'importe quoi. C'est la partie la plus médiocre de la politique. Hein. Donc il ne faut pas faire ça. Voilà, Harlem Désir et ses amis socialistes, ça serait mieux qu'ils regardent et qu'on réfléchisse ensemble à quelle alternative à Barroso. Je veux dire, il faut avancer, il faut construire. Et moi, j'ai envie d'un autre président de la Commission. Barroso n'a pas un bon bilan, n'est pas un bon président de la Commission. À une politique non seulement à droite, mais en plus, il est dépendant des chefs d'État et de gouvernement. Grosso modo, il est là parce que ça les arrange. Et moi, je trouve qu'un président de la Commission doit avoir du poids, de l'autorité, de la force, et notamment du pouvoir d'initiative. J'ai l'intime conviction que si, pendant la crise, c'était par exemple Jacques Delors qui avait présidé la Commission, je suis absolument sûre qu'on aurait eu sur la table des vraies propositions, telles celles qu'on a formulées avec François Bayrou, d'un grand emprunt européen ou de grands travaux européens, bref, d'une cohérence, d'une réponse cohérente de l'Europe. Alors quand on voit tout ce qu'on a à faire demain, construire cette union économique, mettre en place un plan de convergence sociale parce que l'Europe se doit aussi être de la solidarité et la question par exemple des services publics est une question cruciale, préparer mieux l'avenir en mettant en place de nouvelles politiques communes, repenser notre aide au développement parce que je considère que la politique que nous avons eue avec l'Afrique pour le moment évidemment ne porte pas ses fruits et que l'Afrique est un pays de plus en plus pauvre. Bref, nous avons sur la table à repenser aussi au fond un modèle de développement européen qui doit être un modèle de développement, non pas avec comme seul objectif un progrès économique, mais qui doit placer l'homme au cœur de ses objectifs, et donc un modèle social, solidaire, durable. Moi, je pense qu'on pourrait, si on le voulait. Moi, je le veux de toutes mes forces. Et puis, ce n'est pas tant un front anti-Barroso. À la vérité, il faudrait qu'on soit pour une alternative à Barroso. Je préférerais ce type d'expression. Et pour un certain nombre de politiques publiques européennes dans les 5 années qui viennent, avec des priorités un peu nouvelles, voilà, plus sociales, de plus de cohésion, les peuples européens attendent cela. Alors, est-ce que les conditions politiques sont là? Est-ce que ça peut se passer? On a un problème avec une partie du Parti socialiste européen qui soutient Barroso, c'est-à-dire les socialistes portugais, les socialistes espagnols, les socialistes britanniques. Alors je pense qu'il faut, je crois que c'est Vincent Peillon qui l'a dit, si on se mettait d'accord sur un candidat à la présidence de la Commission, qui soit grosso modo au centre, centre-gauche, peu importe, je pense qu'il y a par exemple des hommes comme Guy Verhofstadt qui ferait, pour moi, je ne sais pas s'il est intéressé, mais qui serait un très bon président de Commission, parce que c'est un Européen authentique, parce qu'il a l'énergie, parce qu'il ferait bouger les choses, bien, si on était capable de s'accorder sur un nom ou un autre, je serais extrêmement heureuse. Je crois que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Il faut arrêter les petits problèmes politiciens. Je ne voudrais pas pouvoir même imaginer que ça arrangerait certains que Barroso reste en place. Je crains que quelquefois il y ait comme ça des arrière-pensées.